Regardez le chrononours! Il est pas tout jeune! 1928! Vous avez vu ses pattes? Elles sont énormes! Et sa tête? Elle est toute petite! En tout cas, il fait pas du tout peur! On a même envie de le caresser tellement il est pâteau! Faut pas y toucher, ça va l'abîmer! C'est pour ça qu'il a plus de poils! Non, c'est exprès! Écoutez ça! François Pompon sculptait le moins de détails possible pour ne garder que l'essentiel! Les traits qui en un clin d'œil caractérisent l'animal! Il avait pas plutôt un poil dans la main, ton Pompon? Sûrement pas. Il a tellement sculpté d'animaux qu'il pourrait remplir un zoo à lui tout seul. Oh oui, dis donc, il y a de tout. Panthère, lion, hippopotame, éléphant, cochon, poule, cygne. Tu parles, moi aussi je peux te faire un animal avec trois fois rien comme détail. Regardez, vous allez tout de suite deviner ce que c'est. Alors de quoi j'ai l'air? D'un vrai dindon. L'ours blanc, musée d'Orsay.